Eh bien salut tout le monde, c'est Raikou815 et donc aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo d'ouverture d'œufs de Pâques. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous ouvrir un maxi Kinder Surprise Avenger qui est là et aussi un petit panier avec des choses à l'intérieur. Donc ici vous pouvez voir qu'il y a un Kinder Surprise, voilà. Et donc voilà, j'ai décidé de vous ouvrir tout ça en vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que vous passez un très très bon mardi. En tout cas moi je suis en forme et puis j'espère que vous vous êtes aussi en forme. Et puis si vous j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. En tout cas moi oui. Et puis que vous avez passé une très bonne fête de Pâques. Et donc je remercie ma mère de m'avoir offert cet œuf de Pâques Kinder Surprise Avenger. Et puis le copain de ma mère de m'avoir offert ce petit panier. Donc c'est vraiment gentil de leur part. Voilà. Je les remercie pour tout. Et donc nous allons commencer cette ouverture d'œufs de Pâques. Donc nous allons commencer par ce petit panier. Et nous garderons le Maxi Kinder Surprise pour la fin. Donc avant de commencer l'ouverture, je vais vous présenter un petit peu les boîtes. Donc voici le petit panier. Donc ici vous voyez qu'il y a un Kinder Surprise. À l'intérieur il y a des petits chocolats, des chocobons, des trucs comme ça, voilà. Donc c'est un panier. Ici vous pouvez voir, bah, c'est la même chose, hein. C'est écrit exactement la même chose, le petit panier pour la chasse aux œufs, voilà. Kinder Mix. Donc je vais vous présenter un peu le Kinder Surprise Maxi. Donc sur le devant de l'œuf, vous pouvez voir les Avengers. Donc ici nous avons Iron Man, Captain America, lui je sais plus trop c'est qui, et Hulk ici. Ici c'est marqué Avengers Marvel. Voilà. Donc à l'intérieur il y a une surprise. Donc le derrière de l'œuf c'est pas très important, hein. Voilà, c'est ça. Donc, nous allons commencer l'ouverture. En plus, cet œuf, il a l'air géant. Voilà. Nous allons commencer l'ouverture. Nous allons commencer par ce petit panier. Voilà. Donc, je prends ma paire de ciseaux et bonne vidéo. Hop. C'est un peu galère à découper, mais c'est bon, j'ai réussi. Bon. Donc, voici le petit paquet avec les chocolats. Donc ici vous pouvez voir des chocobons, vous pouvez voir des petits œufs. Donc je vais goûter un peu de tout, hein. Et le Kinder Surprise. Donc je vais sortir quelques trucs du sachet. Je vais galérer. Hop là. Voilà. Et donc voilà, je vais goûter un petit chocolat. Donc on va goûter ce chocolat. Ok. Ça a l'air très très bon, moi je dis. Voilà ce que ça ressemble à ça. Il y a marqué Kinder dessus. Pas mal, je goûte. Regardez. L'intérieur, c'est fait de lait, voilà. Donc c'est très très bon, je trouve. Ouais, pas mal du tout. Donc, je vais garder le Kinder Surprise pour la fin. Donc maintenant, je vais passer au Kinder Chocobon. Bon, j'ai déjà goûté, mais faut quand même goûter. Donc, j'avale juste le chocolat. Voilà, donc je goûte le chocobon. Pas mal non plus. Bon, donc maintenant je vais goûter un petit œuf et je n'avais pas vu. Au fond de la boîte, il y avait ce petit lapin. Donc je vais aussi le goûter, bien sûr. Mais je vais d'abord passer aux petits œufs. Ils ont l'air très très bons, je trouve. Enfin, je pense. Allez, c'est parti. Voilà.
Pas mal. Pas mal aussi. Donc maintenant, je vais goûter le petit lapin au chocolat. Allez, c'est parti. Hop là. Donc voilà le lapin. Il est très joli. Donc je goûte. Pas mal. Donc, regardez l'intérieur du chocolat. C'est fait avec du blanc. Il y a du lait, voilà. Donc, je le mets de côté dans le sachet. Voilà, donc il me reste encore tout ça. Et donc, nous allons passer à l'ouverture du Kinder Surprise. Allez, c'est parti. J'ai hâte d'ouvrir le maxi surprise Kinder Surprise. Il y a une grosse surprise à l'intérieur. Donc, voici le Kinder. Je le casse en deux. Hop là. Et oui, donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo œuf de Pâques Pokémon que j'ai ouvert hier. Donc, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, hein. Et donc voici la surprise qu'il y a à l'intérieur de l'œuf. Je vais l'ouvrir tout de suite. Tac. Hop. Alors attendez. Je mets un peu les papiers de côté. Donc voici la surprise. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est une loupe. Je pense que c'est une loupe. Regardez. Non, c'est. Je sais pas trop ce que c'est. Si, ça doit être des loupes. Exact. Donc, je vais essayer de vous la construire. Hein. Si, regardez, c'est des loupes. Regardez. Hop. Donc, je vais essayer de vous la construire, bien sûr. Hop là. Voilà, donc ça fait une forme de. Je sais plus comment ça s'appelle, cet animal. Donc, c'est une forme de. Et voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, vous savez le nom, vous, mais moi je sais plus. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, c'est une loupe. Vous regardez à l'intérieur et puis voilà, ça donne ça. Sauf que là, voilà, on voit pas très bien. Donc regardez. Je vais essayer de faire comme ça. Donc vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de la loupe. Vous voyez l'œuf, voilà. Donc oui, j'avais raison, c'était une loupe en forme de, voilà, tout simplement d'animaux qui vit dans l'océan. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, je sais plus le nom de l'animal, mais c'est pas grave. Donc je vais goûter le chocolat, même si je l'ai déjà goûté. Hein. Allez, c'est parti pour le déguster. Pas mal non plus. Ouais. Bon. Je mets l'autre partie du chocolat de côté. Et nous allons passer à l'ouverture du Maxi Kinder Surprise Avengers. Allez, c'est parti. Donc, je pense que je vais galérer à l'ouvrir celui-là. Non, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Bon, c'est cool. Oh, l'œuf, il a l'air géant, je vous dis pas. Donc je mets ça de côté, tac. Et donc voici la taille de notre œuf. Regardez comment il est géant. Il fait la taille de ma main pratiquement. Donc regardez cet œuf, comment il est géant, c'est incroyable quoi. C'est la première fois que je vous dis des œufs de cette taille. Donc c'est impressionnant. Et donc, je vais l'ouvrir. Espérons que j'y arrive. Voilà. Donc, j'ai réussi à ouvrir l'œuf. Et regardez-moi la taille de la surprise. Elle est géante. Donc, je vais ouvrir cette surprise. Donc, après, je goûterai un petit bout du chocolat. Je mets juste les trucs un peu de côté car il y a du bordel. Hop.
Et donc c'est parti pour l'ouverture de la surprise. Tac. Ah, pas mal. On a une figurine. Et puis nous avons des autres trucs. Donc je sais pas si je vais réussir à monter tout ça en vidéo. Donc je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai réussi à construire la figurine. Donc en fait cette surprise est vraiment très bien. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc regardez le papier. En fait ici vous avez une figurine et puis vous avez deux jetons. Donc je vais faire comme sur le papier. Vous devez prendre la figurine et l'enfiler dans le truc. Donc je vais le faire. Attendez deux secondes. Faut que j'y arrive. Alors, enfile-toi dedans. Ah, je galère. Donc voilà. Une fois que la figurine est mise dans le truc, je regarde le papier. Donc vous avez un truc ici, voilà. Et en fait, ici, vous avez deux petits jetons, voilà. Avenger. Ouais, et donc voilà le dos de la feuille. Ah, d'accord. Donc en fait, le truc qu'il y a dans le dos du personnage, donc c'est ce truc. Allez, enlève-toi. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever, je sais plus comment j'avais fait. J'ai pas envie de le péter. Voilà. Donc en fait, vous devez mettre ça autour de votre poignet. Je vais vous montrer ça. Donc c'est pas mal du tout, moi je dirais. Comme ceci. Vous devez prendre ce truc. Et vous devez le mettre comme ceci, attendez. Hop là. Voilà, j'ai réussi à le mettre. Donc vous devez mettre le truc jaune attaché au truc rouge. Vous devez prendre un jeton et l'insérer à l'intérieur du truc jaune. Vous devez tirer la languette. Et puis normalement, le jeton doit s'envoler. Mais je ne sais pas, voilà. Je vais vous remontrer, vous tirez le truc rouge et puis, oh, ça ne veut pas partir. Bah allez. Voilà. Donc, et normalement, vous devez même viser le truc. Donc attendez, je refais. Vous devez carrément viser le truc, je pense. Comme ceci. Si j'y arrive. Allez, sors. Le truc, il veut pas sortir. Ah, ça me saoule. Voilà, donc vous devez carrément tirer sur le truc. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien. Ouais, donc effectivement, vous devez mettre le truc au poignet. Et vous devez tirer sur le petit machin qui est juste là, voilà. Et puis voilà, donc ça fait figurine. Et puis vous pouvez la mettre dans ce truc. Donc pour moi, c'est une bonne surprise qu'il y avait à l'intérieur. Je ne suis pas tombée sur un truc trop pourri, quoi. Et donc maintenant, nous allons passer à la dégustation de l'œuf. Allez. Donc, pas mal du tout. Il a le même goût que l'autre, mais voilà. Il est beaucoup plus grand. Ouais. Pas mal du tout. Donc, avant de vous quitter, je vais vous remontrer les surprises que nous avons eues dans cette vidéo. Donc, si je retrouve la surprise, voilà. Dans le premier Kinder Surprise, nous avons eu une petite loupe. Voilà. Et puis dans cette grande surprise, nous avons eu une figurine.
Et puis, vous pouvez attacher ce truc à votre poignet pour tirer des petits jetons sur ce truc. Donc, pour moi, c'est une. On a quand même eu deux bonnes surprises. Donc, la vidéo est terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. Mettez un petit commentaire et puis abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, je vous dis à bientôt. Ciao!